très content de revenir, déjà parce que je remets mon titre en jeu. Et puis deuxièmement, parce que l'année dernière, voilà, j'avais pris beaucoup de plaisir à venir ici. J'avais été accueilli vraiment dans les meilleures dispositions. Et puis voilà, j'avais senti vraiment que dans le club, il y avait vraiment quelque chose de particulier, où vraiment les jeunes étaient là, les moins jeunes aussi, et qu'il y avait, c'était une vraie fête de club, ce que j'aime. Donc voilà, donc j'essaie de redonner un petit peu au tennis qu'il m'a apporté. Et voilà, Nico fait un travail remarquable et je suis très content de pouvoir revenir. La première fois que je viens ici, c'était vraiment génial. J'ai adoré, un super accueil, très bonne organisation. Voilà, il y a des très bons partenaires. Je pense que c'est obligatoire pour un tournoi comme ça, un événement aussi bien. Et puis voilà, je t'avais dit que j'essaierais de revenir et bon, ça tombait bien dans le calendrier. Une nouvelle fois, je suis content parce que finalement, l'année dernière, c'est le seul tournoi que j'ai gagné et cette année, ça sera sans doute le seul. Donc, j'aimerais bien que tu le dises au palmarès la prochaine si je reviens. Je ne vais pas dire que je reviens parce que sinon, après, tu vas le marquer directement sur tes fiches. Bilan ultra positif de cette deuxième édition. La première, on s'était vu en conclusion, on avait dit qu'on souhaitait s'améliorer. On a porté beaucoup d'améliorations avec un tableau à tous les niveaux, que ce soit tableau féminin, tableau masculin, bien plus élevé. Un niveau international avec une finale dantesque entre une joueuse d'origine australienne et une joueuse russe. Le tournoi monte en qualité et président comblé avec une équipe de bénévoles vraiment fantastique pour cette seconde édition. On a beaucoup d'idées, ça fourmille, mais comme je le dis toujours, c'est doucement mais sûrement. Nous en sommes à la deuxième édition. Cette année, nous avons apporté des innovations avec les espaces loges pour nos partenaires. Pas mal de choses. On se reverra très bientôt pour parler des innovations que nous allons présenter dès la rentrée, comme chaque fois, parce qu'il faut savoir que c'est un projet qui est annuel et ça se prépare dès la rentrée de septembre.